on voit que le poil est moins joli. Le poil chez les singes, c'est le signe de bonne santé. Avant examen vétérinaire et analyse, il tousse parce qu'il a été probablement dans un endroit où il faisait trop sec. Il exprime en fait des signes de stress, hein, c'est-à-dire que il fait des va-et-vient et des hochements de tête qui sont pas normaux. Il est temps qu'il rentre à la maison. Alors c'est le vétérinaire qui détermine la durée de la quarantaine selon le risque pour le singe et pour le groupe. Hein. Il peut transmettre une maladie contagieuse à nos animaux. En parc zoologique, les animaux sont suivis par un vétérinaire et on a un statut sanitaire qui est très bon. Dès lors qu'ils sortent d'un parc animalier comme le nôtre ou d'un autre parc zoologique, tout est possible. Donc il peut contracter une maladie transmise par exemple par un animal domestique, des rongeurs souvent parce que dans les caves il y a beaucoup de rats et autres. Donc là on est sûr de rien.